Hey, salut à tous, c'est Bluescaman. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Reaper. Comment ça va, Reaper? Ça va et toi? Ça va, nickel. Donc, Reaper, que vous avez pu déjà voir dans mes précédentes vidéos, dans une seule, en fait, à vrai dire, dans Road to League numéro 1, donc c'est Léouf, alias Lucas, sauf qu'il a changé de pseudo. Donc, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va parler de la team et donc du recrutement de deux nouveaux joueurs. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais juste à m'expliquer sur certaines choses au niveau de l'inactivité. J'en parle assez souvent, mais pour moi ça me paraît un petit peu normal d'en parler tout simplement. C'est vrai que j'ai eu quelques difficultés niveau taf, niveau dans ma vie professionnelle en fait. Et donc du coup je vais plus me consacrer à ça plutôt qu'à ma chaîne, tout simplement. Mais bon voilà, maintenant c'est résolu. Entre guillemets, enfin résolu, c'est voilà, c'est fait. Mais bon, maintenant on a un nouveau problème, entre guillemets, c'est le départ de Zertix et V9. Donc j'avais fait leur présentation dans ma dernière vidéo de Black Ops 3, donc Lucas, je te laisse expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, en plus tu l'avais dit dans ta dernière vidéo que tu avais trouvé deux joueurs motivés, mais ça a pas duré vu qu'après ils pouvaient pas gérer études et gaming, donc c'est assez compréhensible. Donc du coup ils ont préféré partir en bon terme bien évidemment, mais c'est pour ça qu'on est là pour faire le recrutement de la team quoi. Voilà, donc en gros, voilà, ils ont pas pu. On va dire que c'est tout à leur honneur, hein, voilà, mais ils ont pas pu, voilà, gérer, comme tu l'as dit, on va dire école, hein, cours et console. Voilà, après ils sont partis, on a viré personne, c'est eux qui ont décidé de partir. Bon, ils voulaient pas forcément partir non plus, mais bon. Pour pas gêner entre guillemets. Voilà, pour pas gêner notre avancée, on va dire, ils ont décidé, voilà. Bon, après on continue de leur parler, y a pas de souci. Pas devenus des ennemis, voilà. Et nous on vire personne avec Lucas. On est voilà. Si vous voulez partir, vous partez. Si vous voulez rester, vous restez, bien entendu. S'il y a des problèmes, on en parle. Voilà, voilà, y a pas de souci là-dessus. Donc, si vous voulez rentrer dans la team, donc j'expliquerai comment me joindre. Mais on va commencer d'abord le rôle en gros. Votre rôle dans la team. Donc au niveau des postes, il n'y a pas de poste prédéfini. Même si vous avez des postes, ce seront en fait, enfin, je vais pas expliquer la composition de l'équipe, mais c'est pas une composition normale. Voilà, si vous avez des postes prédéfinis, vous pouvez quand même envoyer une demande. De toute façon, ça risquerait d'être votre poste de toute manière, parce que voilà, j'ai pas trop rentré dans les détails, mais voilà, on n'a pas des postes prédéfinis et donc voilà. Ça déjà c'est dit. Au niveau des tournois, Lucas, je te laisse expliquer. En gros, on va faire des G4G. Le week-end, faudrait que vous soyez un minimum libre les week-ends, même pendant la semaine, pour pas de gens qui traînent avec la team. Le mercredi aussi, si vous êtes libre, par exemple, pour faire des petits G4G par-ci par-là, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est des petits scrims 4v4 en règle bracket, en mode au calme. Voilà. En mode de Ah, tu m'as tué, gros. Non, en gros, les GKG, c'est un site qui permet en gros de faire des comment? Des tournois online en fait. C'est des tournois online 4v4, voilà, avec des brackets. Donc, qu'est-ce que c'est les brackets pour ceux qui connaissent pas? J'explique, hein, après pour ceux qui sont des adeptes, voilà, il n'y a pas besoin. En gros, des brackets, c'est quoi? C'est vous jouez une équipe 4v4, vous la winnez, enfin vous la gagnez. Vous montez un échelon, vous jouez contre une autre équipe, voilà, 4v4, pareil, la même chose, etc., etc., jusqu'à la finale, tout simplement. C'est ça un bracket, en fait, c'est jouer plusieurs équipes jusqu'à la finale. Donc en fait, voilà, les G4G, on en fera principalement le week-end, mais aussi si vous pouvez le mercredi ou même un autre jour, le jour que ça vous arrange, mais c'est bien aussi d'en faire la semaine, tout simplement. Donc il y a des horaires hein, à respecter. Donc les G4G, c'est de 20h à peu près à de 20h à 2h du matin à peu près. C'est pour ça qu'on préfère faire ça le week-end. Après, il y en a d'autres, je sais, l'Enfer du Dimanche par exemple, qui a 15h, qui commence à 15h et après, il n'y a pas réellement d'horaire jusqu'à la fin. Mais voilà, les GKG, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une grosse organisation. C'est pas la plus grosse, mais c'est quand même. Voilà, enfin, ça se joue quand même beaucoup sur la cour, hein, Lucas, hein, franchement, les GKG. Hein. Ouais, nous allons aussi faire des scrims contre des équipes de potes. Donc Des équipes c'est de la potes. même chose, sauf que c'est C'est juste des entraînements, quoi. des personnes. Ouais, voilà.
Voilà, les Des scrims, c'est petits les moments. entraînements. Donc, j'ai quelques petits contacts par-ci par-là où on pourra faire des entraînements la semaine. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est pas des personnes connectées H24, mais c'est des personnes qui aient envie de se connecter, qui se disent pas, voilà, je vais Se jouer parce force qu'il pas. faut jouer. Voilà, qui se forcent pas. Si vous avez le moindre problème, vous nous en parlez. Si vous voulez partir, vous partez. Il n'y a pas de souci là-dessus. On vire personne. Mais voilà, il faut être quand même connecté souvent pour qu'on puisse jouer ensemble, améliorer notre teamplay tout simplement, et voilà, progresser ensemble tout simplement dans l'équipe quoi. Voilà, pourquoi pas après plus tard partir sur certains événements, Et au etc. fur et à mesure, on gravira des échelons, etc. Ouais, voilà. Pour l'instant, on est assez novice Si dans la ça dure. compétition. Pas niveau. Enfin, ouais, on est novice dans la compétition. Ça veut pas dire qu'on a un niveau de merde. Je tiens à le préciser, voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé, maintenant on va passer vraiment au niveau comment me joindre. Donc soit vous écrivez un message dans les commentaires en écrivant votre pseudo et je vous ajouterai. Soit vous m'envoyez une invitation sur le PSN, donc on est sur PS4. Hein. Vous m'envoyez une invitation sur le PSN, donc mon pseudo apparaîtra là, même s'il est écrit en haut à droite. Donc c'est BlueSkyman, hein. Vous m'envoyez un message sur le PSN et vous m'envoyez bien avec l'invitation, la demande d'amis, recrutement. Vous voyez juste recrutement, comme ça je sais pourquoi vous m'envoyez une invitation d'amis. C'est vrai que là je reçois quand même, voilà, pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même beaucoup de demandes d'amis, mais c'est pas forcément pour Call of Duty, c'est pour d'autres jeux. Donc voilà, comme ça au moins je sais pourquoi vous m'avez demandé un ami, on pourra direct passer aux choses sérieuses. MDR. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, Lucas. Ouais, t'as fait le tour. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, soit dans les commentaires, soit vous m'envoyez une demande d'amis, de toute façon. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. T'as quelque Ah chose à oui, bien rajouter? aussi, il y a quelque chose. Il faudrait quand même que vous ayez Black Ops 3 à sa sortie, histoire qu'on puisse tâter le jeu Oui, c'est vrai. En avant. gros, ouais, voilà. Il y a aussi cette condition-là, c'est que là, c'est la fin de la W, c'est la fin de la saison. Il y a Black Ops 3 qui sort. Pour qu'on soit un minimum clean dessus, il faudrait que vous l'ayez dès la sortie. Voilà. Après, je pense que n'importe quel fan de Call of Duty comprendra ce qu'on veut dire. Enfin, voilà. C'est vrai que ouais, merci d'avoir souligné Lucas. Donc voilà, on a fait le tour. Moi sur ce, je vais vous laisser les gens. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas forcément intéressé, mais vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, à partager la vidéo un maximum. Et à laisser un commentaire, tout simplement. Donc moi je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine. Je te laisse le mot de la fin, Lucas. Salut. Allez, salut tout le monde.